بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، mes ennemis et mes ennemis, mes amis et mes amis, mes petits-fils et mes petites-filles, أحفادي حفيداتي, mes fils et mes filles, mes frères et mes sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime tous en Allah, je pense que vous le savez. Alhamdulillah. Qu'Allah nous accorde l'amour en lui qui est une garantie de paradis. Sept types de personnes seront ombragées sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Parmi eux, deux personnes qui se sont aimées en Allah subhanahu wa ta'ala. Wajabat mahabbati al-mutahabbina fiyya. Dans un hadith qudsi, Allah dit que son amour est obligatoire pour ceux qui s'aiment en lui. Qu'Allah nous accorde l'amour en lui, vous connaissez le nombre de textes sacrés autour de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Quel engagement de paix, quelle belle invocation, quel beau khair, paix, miséricorde et bénédiction à l'infini. Mes frères et sœurs, en humanité, en citoyenneté, en universalité, j'ai beaucoup appris de vous. Vous m'avez formé. Vous m'avez réformé. Jazakum Allahu kulla khair. Et le khair que je vous souhaite, c'est la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous m'avez formé, vous m'avez réformé. Sahih. Ah, les koufars t'ont formé, t'ont réformé. Je sais ce que je dis. Vois-le, si tu ne le comprends pas, essaie au moins de me demander sous quel angle. Et tu verras qu'on apprend toujours de ceux avec qui nous vivons. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. On a fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Le plus proche auprès d'Allah, ce sont les plus pieux. Très bien. Donc, لِتَعَارَفُوا. On vous a créé. لِتَعَارَفُوا. La finalité, une des finalités de la création, en nations très différentes, en tribus très différentes, des langues infinies, des races, et je n'aime pas le mot, et vous ne l'aimez pas, je pense, infinies, pour que vous vous entreconnaissiez. Ça veut dire quoi, vous vous entreconnaissiez? Donc moi, en essayant de m'entreconnaissiez, en essayant de vous entreconnaissiez, ben, ça m'a formé et ça m'a réformé. Alhamdulillah. Donc, je vous dis, si vous voulez qu'on s'aime en Allah, à vous de vous débarrasser de la cathode médiatique, cybernétique, romantique, romancière, dans laquelle vous avez grandi et qui vous a bien manipulé. Débarrassez-vous de ça, récupérez vos âmes et vos cerveaux, déployez-vous dans une recherche sincère. Il y a une infinité de livres, il y a une infinité de personnes qui peuvent vous aider à entamer le cheminement vers l'islam. Si vous êtes sincère, si vous le méritez, vous serez musulman. Si vous n'êtes pas sincère, si vous êtes orgueilleux, Vous resterez ces choses-là que vous êtes. D'accord? Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Une musulmane des temps modernes qui ne peut que se déformer et déformer, il ne peut que se dénaturer et dénaturer, qui ne peut que détruire et s'auto-détruire. Elle m'a dit quoi?
Elle me dit, Assalamu alayka, ya Abu Umam, virgule, ya Abu Umam, ya Abu Umam. Je te rectifie. Salamu alaykum, ya Aba Umamata. En entrée de jeu, tu vois que Abu Umam est moins ignorant que toi. D'accord? Donc on ne dit pas salamu alaykum, ya Abu Umam, faux. Donc le jour où tu apprendras la différence entre ya salamu alaykum, ya Aba Umamata, qui est juste, et le pourquoi du comment, tu viendras me dire ce que tu veux. Ça marche. Je m'excuse, ça va, ça crie un peu. Nous avons des visiteurs et ça bouge pas mal. Je m'excuse d'avance. Salama! Salama! Ya Salama! Allah ijazik! Allah ijazik! Uskuti! Allah arda annik! Attention! Donc la miss, elle me dit « Salamu alayka ya Abu Umama, ya Abu Umama, ya Abu Umama ». Elle me dit « Ittaqillah ». Allahumma ij'alna min al-muttaqi. Ya Rabbi ij'alna min al-muttaqi. Ya Rabbi ij'alni min al-muttaqi. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin, waj'alna lil-muttaqina imama. La taqwa, c'est ce que cherche tout être humain doué d'un minimum de raison. Et d'un minimum de crainte d'Allah, et d'un minimum d'amour d'Allah. Qu'Allah fasse de moi un muttaqi, chacun de vous, tout au long de sa vie, inshallah, qu'il essaye de me faire des doigts, des invocations, pour qu'Allah fasse de moi un muttaqi. Je ne suis pas sûr que cette jeune gamine sait ce que veut dire la taqwa. Très bien. Tu ne fais que d'innover en matière de rappel avec ta webcam d'égareur. Donc ça, c'est un rappel sincère à moi. Donc tu ne fais que innover. Jazakallahu kulla khair. Naam. Je suis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'un des plus grands innovateurs ou le plus grand innovateur. Tu vois comment je me tire des fleurs. Des temps modernes. Depuis l'avènement de l'internet, alhamdoulilah, francophone, je suis l'un des plus grands innovateurs en termes de rappel. Tu n'as jamais vu ça et tu ne pourras pas voir ça de cette manière. Mais d'autres te diront, inshallah, dans ma vie et après ma mort, que cette innovation-là, dans le rappel, a bouleversé le rappel dans le monde francophone d'aujourd'hui. Et je te dis une deuxième chose, n'importe quelle personne qui clique sur visionner, play, et qui n'est pas sectaire comme toi, et qui n'est pas orgueilleuse comme toi, viens dire, c'est extraordinaire cette manière de faire le rappel. Et ça m'a touché. Et je ne compte pas, jeune femme, le nombre de mosquées dans lesquelles j'ai fait des rappels sur 2 heures minimum, et en général plus, où les gens, alhamdoulilah, ne m'ont pas dit « Pourquoi tu ne viens pas plus ? Pourquoi tu ne viens pas une fois par semaine ? Pourquoi tu disparais 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ?» De personnalités différentes, attention. Et ce qui me stimule le plus, c'est quand je le reçois de gens d'un certain âge, d'un certain niveau, d'un certain intellectualisme, d'un certain brio intellectuel, d'un certain parcours au niveau de la da'wa, quand ils m'annoncent que cette manière de faire le rappel, ils la trouvent extraordinaire. Et ça les touche, alhamdoulilah. D'accord ? وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Je n'aime pas parler beaucoup de ce type de choses, mais je dois quand même te le dire, quand tu dis que je prends ma caméra, ma webcam d'égareur, et que je suis un innovateur. Non, je suis un innovateur, alhamdoulilah. L'innovation, d'accord, est une chose très intéressante. Quelqu'un qui innove, dans le sens francophone du terme, quelqu'un qui innove est quelqu'un qui a de la créativité, qui a de l'inventivité. D'accord? Nous, on a fait porter au mot des choses qu'il ne peut pas porter ni supporter. D'accord ? Ibtada'a yabtadi'u fa huwa mubtadi'un est un très beau mot. Abda'a yubdi'u fa huwa mubdi'un, c'est un excellent mot. Abda'a yubdi'u avec la matière de bada'a bid'atun. Hein ? Ça peut être un mauvais mot, un mauvais concept. Et ça peut être un excellent mot, un excellent concept.
Et des choses infinies ont été des bid'a, d'accord, pour toi, bid'a mauvais, égarement, dalal, qui ont changé le cours de l'histoire, de la compréhension de l'islam et qui ont apporté beaucoup de belles choses aux musulmans. Mais ça, ce niveau-là, tu ne pourras pas le comprendre, d'accord. Je te le dis, non, là, ce que je viens de dire, tu ne peux pas le comprendre, d'accord. Tu n'es pas encore mature, tu n'as jamais étudié, tu n'as jamais découvert quelque chose, hein, tu n'as jamais réfléchi pour comprendre ce que je raconte. Tu n'es qu'une matraliste simple et simplée. Très bien. Arrête d'insulter les savants. Meilleur que toi, tu ne leur arrives même pas à la cheville. Où est ton ijaz? Où sont tes diplômes? Arrête d'arrêter les savants. Donc, tu mens. N'est-ce pas? Tu dis les savants, d'accord? En entrée de jeu, tu mens. Qui est ce savant? Qui sont ces savants que j'ai insultés? Sors-les-moi, s'il te plaît. Ah, tu penses à un particulier, n'est-ce pas? Et même ce un particulier, d'accord? Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai que répété ce qu'il raconte lui-même et comment lui-même se présente. D'accord? Donc arrête d'insulter les savants meilleurs que toi. C'est quoi le critère pour dire que quelqu'un est meilleur que quelqu'un en savoir? Tu vois, déjà ça, tu vois, ces questions que je te pose ne peuvent que te déstabiliser. Quel est le critère pour dire que telle quantité de savoir est meilleure que telle quantité de savoir? Est-ce une question de quantité ou de qualité du savoir? Et comment on peut mesurer la quantité d'un savoir? Comment on peut le mesurer? Et comment on mesure la qualité d'un savoir? Donc va étudier. Déjà là, je sais que tu n'as rien pigé, la pauvre. Très bien. Oui, ton ijaza, naham. La ijaza, je n'ai pas la ijaza comme tu la comprends toi et ne m'a jamais intéressé. Brillant. Au son des diplômes, je n'ai pas de diplôme et ça ne m'a jamais intéressé. Brillant. T'as vu ça ou pas? Mais moi, ma jeune femme, demande à n'importe quel savant de ta race à toi ou de ceux que tu aimes de venir s'asseoir à côté de moi et je peux l'étonner. D'accord? Donc je suis né dans ce savoir, madame. Je suis issu d'une famille, madame, que juste tu entends le nom, hein, ça va te déstabiliser. Je me rappelle une fois, il y a un qui a vu mon nom dans une circonstance particulière, il a pu voir mon nom, que je ne donne jamais. Il m'a dit, pourquoi tu ne le mets pas en valeur? Et ce personnage, là, a des ijaz. Ce personnage a des ijaz. Il a vu le nom. Pourquoi tu ne le mets pas en valeur? D'accord? Parce qu'il sait ces lignées-là de savoir. Hein? Ces lignées de savoir. D'accord? Donc, je suis issu d'une famille, alhamdoulilah, de savoir pur et dur à la perfection, le niveau le plus élevé. Les petits savants d'aujourd'hui savent eux-mêmes qui sont des petits enfants de cœur, à côté de ces gens chez qui j'ai grandi, avec qui j'ai grandi. Non. Mais ce savoir-là ne m'a jamais intéressé. J'ai un oncle, alhamdoulilah, qui écrit des livres, qui est puissant, que les gens viennent le voir de partout, d'accord, très respecté, quand il s'assoit avec moi, il se tait. Par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il sait, il a beaucoup de respect par ma manière de gérer le savoir et par ma manière de voir le savoir, alhamdoulilah. Là, il se gonfle beaucoup, loin pour ma main. Regardez, les gens viennent me sortir une parole de l'Albanie. Ah, regardez l'Albanie, comment il était modeste. Regardez, à vous même ce qu'il fait. À vous même il se tire beaucoup de fleurs sur lui. Moi, je te fais un constat. Donc, tu me parles de savoir, je te fais le constat. Sur moi, mon recul par rapport au savoir. Et je te dis, beaucoup de ces gens-là qui ont ce savoir-là, d'accord, à côté desquels ton cheikh n'est rien. Vraiment, n'est rien. Ouais, je dis franchement. N'est rien, nous, le savoir, attention. Le monsieur, tu t'assois avec lui, gamin de 14, 15 ans, non, tu parles d'un domaine, il t'improvise 1000 vers de poésie sur le domaine. Ertijal, tam, improvisation totale, jeune femme. D'accord? Je me rappelle d'une époque où le savoir m'intéressait, madame, quand je prenais mon stylo et ma feuille pour écrire en arabe, etc., mes profs étaient émerveillés. Et je recevais des cadeaux et des primes et des choses comme ça. Et ça ne m'intéressait pas, ce savoir-là. D'accord? Aujourd'hui, j'ai vieilli, je ne prends plus ma plume en arabe littéraire et ça n'a pas d'intérêt. Allah a voulu que je sois dans ce pays-là, alhamdoulilah. D'accord? Mais là, déjà là, tu es complètement
déconnecté de ce que je raconte. Tu ne comprends même pas ce que j'essaie de te dire. D'accord? Parce que tu ne comprends rien à rien là pour. Tu es simple et simplé. Un madrali ne peut pas être autre chose qu'un petit cinglé de rien du tout. Il ne comprend rien à rien, le pauvre. Ça marche très bien. On va leur dire ce que c'est qu'un madraliste. Parce que malgré tous mes rappels et tout ce qui a été fait dans les pays arabo-musulmans sur le madralisme, il y a des gens encore qui ne savent pas ce que c'est, mais qui vivent ça et qui subissent ça à longueur de journée avec leurs proches, avec leur famille, dans leur quartier, dans leur voisinage, sur Internet. Qui subissent les dérives du madralisme. Elle me dit, elle ose me dire, notre chair céleste. Ah oui, au passage aussi, il y a eu des fois où des imams se sont, des mosquées se sont mis à côté de moi pendant le rappel que je fais dans leur mosquée, d'accord? Wallahi, wallahi! Hein? Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont venus m'embrasser. Ils étaient heureux, ils savaient que ils ne peuvent pas. Ce niveau-là, attention, cette compréhension-là un peu de l'islam, de la da'wah en France, dans un pays occidental où nous sommes minoritaires, ils savent, hein? Nous savons un peu archaïques, nos imams archaïques des temps modernes, ils savent que ils sont dépassés. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils se forment, les pauvres. D'accord? Il y a un grand travail à faire pour former et réformer ceux que vous prenez pour des savons ou des savonnettes. Ça marche. Donc là, il ose me dire, notre chair céleste. Elle ose me dire, notre chair céleste. Très bien. Donc, vous savez de qui elle parle. Donc, il faut pas. Notre chair céleste a mis en garde contre les sectaires de ton genre, qui mêlent le vrai au faux, pour pousser les gens vers le satanisme. Entre parenthèses, sous couvert de belles phrases. Oui, tu es un collaborateur qui fait son nid douillet chez les mécréants. À quoi sert ta science de lapin si c'est pour rester les bras croisés? Donc le cher céleste, j'ai nommé Rabbi ibn Hadi al-Madkhali. Rabbi ibn Hadi al-Madkhali. Je suis celui, alhamdoulilah, qui a inventé, qui a mis en place le mot en français, je le répète à chaque fois, vous pouvez le vérifier, le mot madkhalisme, qui vient des pays musulmans, al-madakhilatu, awil madkhaliyuna. Donc il faut toujours rappeler ce qu'ils sont pour être honnête jusqu'au bout du bout. Donc moi j'ai fait, je pense là, on peut dire aujourd'hui que j'ai fait entre 60 et 80 minimum, sinon une centaine de rappels sur le madkhalisme. Madkhalisme c'est quoi? Pour le résumer, le madralisme est une secte, est une hérésie qui a explosé dans les temps modernes, qui a existé dans l'histoire musulmane, mais qui a explosé dans les temps modernes. Ah, il a existé avant même le madralisme. Oui. Non. Mais le madralisme, c'est le plus grand théoricien et le plus grand praticien. Et celui qui est passé jusqu'au bout du bout dans le madralisme. Ça veut dire quoi le madralisme? Simple. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont s'intéresser à n'importe quelle personne qui fait la da'wah, la prédication. C'est quoi la prédication? Recommander le bien et mettre en garde contre le mal. C'est ça la da'wah. Al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar. Appeler au bien et déconseiller le blâmable. Interdire le blâmable, mettre en garde contre le blâmable, éloigner les gens du blâmable. Les former, les réformer pour qu'ils se préservent du blâmable et pour qu'ils cheminent dans le khair, dans le ma'ruf, un mot générique, du bien. Donc n'importe quelle personne qui s'intéresse à ça, qu'elle soit savant, reconnue par la umma entière, qu'il soit réformateur, qu'il soit formateur, qu'il soit imam, qu'il soit responsable associatif, qu'il soit prédicateur, moyen, ou brillant, ou ce que vous voulez, au prédicateur simple, les madralistes s'intéressent à lui. Il devient leur ennemi numéro un. Il devient le pilier numéro un de leur religion. Ils consacreront toute leur vie, toute leur énergie, tous leurs moyens pour mettre en garde contre lui. Ce sont les innovateurs qui ont eu l'inventivité satanique, la créativité satanique, l'innovation, la vraie, hein, de créer ce qu'on appelle la mise en garde. C'est eux. Tapez le nom de n'importe quel savant, tapez le nom de n'importe quel responsable associatif, tapez le nom de n'importe quel prédicateur,
tapez le nom de n'importe quel professeur, tapez le nom de n'importe quel réformateur, dès qu'il s'intéresse à l'islam, vous allez voir mise en garde. Toutes les mises en garde viennent de qui? Des matralistes. À qui profite le crime matraliste? À Shaitan. Imaginez un jeune, le pauvre, qui devient musulman et qui voit, puisque toute sa recherche va se faire sur Internet, qui voit que tous ceux qui s'intéressent à la science, à la da'wa, à la prédication, sont mis en garde. Subissent la mise en garde. Ça veut dire quoi la mise en garde? Attention. Tu ne dois pas saluer la personne. Tu ne dois pas s'asseoir avec la personne. Tu ne dois pas écouter la personne. Tu ne dois rien faire avec la personne. Parce que mise en garde, mise en quarantaine totale, la personne devient pestueuse, infréquentable, lépreuse, infréquentable. هذا هو المترالisme. Le porte-étendard de ça, dans le temps moderne, s'appelle Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Là, je l'insulte? Non. Je ne fais que répéter ce qu'il dit. Quand il écrit, lui, un livre, madame, hein, il va, une fois, j'ai essayé de compter, plus de 400 personnes, des plus grands savants de la Ummah, des plus grands mujahidons de la Ummah, des plus grands réformateurs de la Ummah, tous, mes gars, dallun, comment ils font? Dallun, égaré. Mudallun, égareur. Min ahli al-ahwa, parmi les gens de la passion. Tous. Sauf quelques petits disciples, quelques petits copains de Matrali, ceux-là, ils ont l'étiquette savant non innovateur, prédicateur non égaré, ils ne sont pas de Ahl al-Hawa. Et avec ces disciples-là, avec ses amis, ses petits copains à lui, il finit toujours par avoir des guerres, et ses amis à lui, hein, et ses copains à lui, et ses anciens camarades à lui, et ses anciens disciples à lui, en partie, passent leur vie aujourd'hui à vouloir démontrer à la Ummah qu'il est le plus grand innovateur de la Terre. Et ces groupes-là, le matralisme, a donné naissance à plusieurs progénitures qui passent leur vie à s'entretuer. Donc, est-ce que j'insulte le cher? Je ne fais qu'un constat. Maintenant, je suis dans mon droit de répéter ce que dit ton cheikh à toi, Céleste, quand il dit « j'aurais pu être un grand muhaddith, mais je n'ai pas pu à cause des frères musulmans. » Parce qu'il a passé 13 ans frère musulman. Et si on suit son raisonnement à lui, lui-même devient une peste, lui-même devient infréquentable. Parce que pour lui et pour le matralisme, dès que quelqu'un fréquente les soufis, ou les tabliris, les qobouris, les ikhwan, dès qu'il les fréquente, tout ce qu'il a fait avant, même s'il a passé 50 ans de khair, ça passe à la poubelle. Donc ton cheikh a passé 13 ans minimum, c'est plus, minimum, en tant que frère musulman. Donc si on suit son raisonnement, il devient infréquentable, même s'il fait la taouba, même s'il fait ce qu'il veut. Donc ton cheikh répète que lui-même n'est pas un muhaddith. Il n'a pas réussi à être un muhaddith à cause de la période qu'il a passée avec les frères. Très bien. Donc ton cheikh, de part, c'est pas moi qui l'insulte. Lui-même dit que je ne suis pas un muhaddith. Le pauvre, il sait qu'il n'est pas un muhaddith. Très bien. Ton cheikh lui-même dit qu'il a beaucoup oublié le Coran. Il ne se rappelle même pas des versets du Coran, et c'est vrai. Il commet des fautes infinies. Allez voir, il y a des gens qui l'ont fait, ils ont pris ses cassettes, et ils ont observé, et ils ont notifié ses erreurs, comme il fait lui. Il aime faire ça, et tous ses disciples aiment chercher la petite bête. Hein? Chercher la petite bête. Voir l'erreur. Hein? Et des gens l'ont fait, et ça, tu as une tonne de livres sur Internet, d'accord? Et dans les librairies, d'accord? Des gens qui ont fait ça, donc ils n'arrêtent pas de commettre des fautes dans le Coran. Et lui-même a dit que il n'a pas la hafidha, il n'a pas la mémoire, il a perdu sa mémoire malheureusement de l'apprentissage par cœur à cause de la période qu'il a passée avec l'ikhwan. Donc c'est le seul cheikh où tu pourras dire à Bourman à juste répéter ce qu'il raconte. Parfois là, je dis que dans cette innovation qu'il a apportée, je ne fais que répéter les paroles de nos savants dans les pays musulmans, hein, qui disent que ce sectarisme-là nous a rongé de l'intérieur, nous a détruit. Hein? Baba, il est occupé. L'arif. Je ne sais pas, ma fille. Entaliti. C'est le jour de ma mère. Donc, on continue. Donc, je ne l'ai fait que répéter avec un respect total, sachant que je suis dans mon droit
de dire quelqu'un qui n'est pas dans mon monde à moi, il est loin, d'accord, je considère personnellement qu'il n'est pas le vrai savant. Je peux le dire. Toi, il est savant céleste pour toi, très bien. Moi, je ne lui reconnais pas ça. Si le savoir est apprendre quelques textes par-ci par-là, écrire quelques livres, Shaitan lui-même a appris une infinité de textes. Mais ça ne fait pas de lui un savant. D'accord? Ça ne fait pas de lui un héritier des prophètes. Donc l'héritier des prophètes, madame, ne peut pas, par sa cause à lui, par son déploiement malheureux, ranger la umma et devenir un cancer de la umma. C'est une insulte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une insulte d'Allah et non pas auprès d'Allah. C'est une insulte de son prophète de dire que ce personnage-là est un savant céleste. Parce que ce personnage-là, Naham, va voir ce qu'ils disent les chouyours dans les pays musulmans, va voir les ravages qu'il a fait, va voir la déstabilisation qu'il a fait au niveau de savoir musulman, au niveau de la prédication, et tu diras que il ne peut pas être un héritier des prophètes. Donc moi j'ai un respect pour des mots tels que savant, tels que faqih, tels que cheikh, et je ne les distribue pas à n'importe qui. D'accord? Moi-même qui a grandi dans ça, et j'ai vu des gens d'un très 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 haut voltige, madame, d'accord, d'un très haut niveau, ce personnage-là est un enfant de cœur à côté. Donc moi, ça ne m'impressionne pas, moi, le savoir. Maintenant, je te raconte la meilleure. Beaucoup de gens qui l'ont côtoyé, hein, ou qui ont étudié à Mecca et à Medina, disent il est nakira. Il est nakiratun. Ça veut dire quoi, nakiratun? Tu ne le comprends pas, la pauvre. Nakira, c'est quelque chose que personne ne connaît. Donc ce cheikh-là, céleste, des gens qui ont étudié, même des gens de 60 ans, qui viennent me rendre visite, que j'ai rencontré dans ma ville, alhamdoulilah, bah, ou que j'ai côtoyé, alhamdoulilah, ils te disent que même au niveau de Medina et Mecca, il est nakira. Personne ne le connaît. D'accord? Il a un poids pour qui? Pour les francophones. Qui partent lui dire, qu'est-ce que tu penses de Aïd al-Qarni? Qu'est-ce que tu penses de Cheikh Kishk? Qu'est-ce que tu penses de Mohamed Hussein Yaqoub? Qu'est-ce que tu penses de Al-Hawaini, Cheikh Al-Hawaini? Qu'est-ce que tu penses de Cheikh Yassine? Et lui, il va répondre, innovateur, Balloun, Moudilloun, Min Ahlil Hawa. Donc il est reconnu par qui? Par les cinglés comme toi. Par les ignares comme toi. Mais les gens de science et de savoir disent, mais le monsieur ne vaut rien. Quand on parle de science, celui-là ne vaut rien. C'est pas moi qui le dis. Mais moi, je te dis, moi, ma pensée. Moi, je ne reconnais pas à ce monsieur la capacité, la faculté d'être un héritier des prophètes. D'accord? Maintenant, observe ce que je fais, l'innovation que j'ai apportée à mon niveau, à moi. Moi qui ai une petite savonnette marseillaise, au Bédouin, va voir un peu ce que mon rappel a fait. Va demander aux gens qu'ils soient anciens musulmans, ancien suicidaire, ancien malheureux, ancien sectaire, ancien égaré, ancien madraliste, madame. Hein, j'ai eu il y a une heure ou deux un madraliste qui a eu 10 ans minimum, hein, dans le madralisme. Quand il a des gros problèmes, il m'appelle. Il est sorti du madralisme. Et le madralisme l'a rongé, l'a détruit, l'a déstabilisé. D'accord? Et je peux te présenter plusieurs madralis qui ont fondé le madralisme en France et qui, alhamdoulilah, aujourd'hui, l'ont quitté et ils ont vu ce que c'est. La laideur pure, comme disait un ancien madraliste qui a passé Satan dans le madralisme. Naam, donc, c'est un satanisme sous couvert de belles phrases. Oui, tu es un collaborateur qui fait son nid douillet chez les mécréants. Bien. À quoi sert ta science de lapin si c'est pour rester les bras croisés? Non, je ne suis jamais resté les bras croisés. Celui qui a besoin de moi, alhamdoulilah, m'appelle par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je propose des séminaires gratos. Naam. Quand je bouge dans les mosquées, j'ai jamais rien demandé. Et comme tu sais, des gens facturent 400, 500 et plus pour des déplacements, pour faire des conférences. Il y a des gens qui touchent même plusieurs milliers d'euros, alhamdoulilah, pour faire des conférences. Moi, je me déplace lillahi, wa billahi, wa fillahi, alhamdoulilah. Je demande rien à personne. Celui qui veut apprendre de moi, je lui apprends des choses, alhamdoulilah. J'offre mes services, alhamdoulilah. Les gens savent que je suis quelqu'un qui peut manager des associations, qui peut aider des responsables associatifs, qui peut réconcilier les responsables quand ils ont des problèmes, qui peut leur modéliser un problème qui leur permettra de ne pas s'entretuer au bout de 6 mois ou d'une année. Je suis ouvert, alhamdoulilah. Des gens me demandent mon avis aussi dans l'enseignement, alhamdoulilah. J'apporte beaucoup de choses aujourd'hui, alhamdoulilah, en termes d'apprentissage de l'arabe littéraire, alhamdoulilah, d'une manière très intelligente qui permet à la personne de devenir vraiment brillant et de se dire, je peux être brillant en arabe littéraire, alhamdoulilah, pour que je puisse
ouvrir le Coran. J'ai permis à des centaines de personnes, alhamdoulilah, de lire le Coran et de commencer à apprivoiser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu me diras, toi, qu'est-ce que tu as fait? D'accord, jeune femme. Et je suis l'innovateur, non, le plus grand innovateur qui a eu l'inventivité nécessaire et la créativité nécessaire de faire le rappel dans un monde complexe et complexifié, non, dur, brutal, où tout a été métamorphosé à l'infini et on ne peut pas faire le rappel comme le fait mon oncle à moi ou comme le faisait mon grand-père ou comme l'ont fait mes grands-parents. C'est pas possible. D'accord? Donc si mon grand-père lui-même arrive ici, hein, il pourra pas comprendre comment ça se passe. Quoi qu'il raconte, tout ce qu'il racontera n'apportera pas grand-chose, madame. Ça marche, très bien. Ensuite, les nobles personnes lisent dans ton regard que tu es un Qutbi, 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 haineux, Yakadib, mashallah. Yakadib, avec le da, il fallait que tu dises Yakadib. Sors ta langue, la miss. Kadib, c'est pas Kadib. Très bien, donc les nobles personnes, toi, mashallah, tu vois dans mon regard que je suis un Qutbi. Non! Qutbi! Ana Qutbi! Sahih! Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu! Ana taqarrabu ila Allahi bihubbi Sayyid Qutb! Moi qui ai un petit faiblard de rien du tout, qui ai une adoration simple, qui est très négligent, qui n'y voit le yak, moi, je suis un amoureux de Sayyid Qutb et je me rapproche d'Allah par l'amour que j'ai pour Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, min alladhina idha ru yuzkaru Allah. Sayyid Qutb, min alladhina idha ru yuzkaru Allah. Sayyid Qutb, min alladhina quru idha quru yuzkaru Allah. Sayyid Qutb fait partie de ceux qui, quand on les voit, on ne peut que évoquer Allah. Sayyid Qutb fait partie de ceux qui, quand on les lit, on ne peut que évoquer Allah. Pas l'évocation stérile, fade de tes savonnettes à toi. Ou de ton savon à toi, ta savonnette à toi, cette évocation qui te fait directement aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait trembler ton cœur. Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres. Je peux t'étonner. Ataqarrabu ila Allahi bihubbi. Le madhali qui m'a eu au téléphone, il m'a dit à vous, maman, j'étais dans une association. Et je cite, Ibn Taymiyyah, et ils m'ont attaqué, ils m'ont dit que Ibn Taymiyyah a quitté la sphère de l'islam. Et ça m'a déstabilisé. Ça m'a bouleversé. Et depuis une semaine, il essaie de me joindre, madame. Depuis une semaine, madame. Parce que je suis celui qui le rassure, celui qui le forme, celui qui l'aide, celui qui le conseille, alhamdoulilah. Alors qu'il est plus âgé que moi, ou il a plus ou moins le même âge que moi. D'accord? Et je lui ai dit, voici Ibn Taymiyyah. Il fallait que tu répondes comme ça. Moi, je laisse pas un petit gamin sectaire de cette association me déstabiliser. Voici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Si eux ne le connaissent pas. Et ils vous piègent. Ils vous piègent. Avec un savoir, en plus. Avec du savoir, ils piègent. Et avec un peu de savoir, hein, un peu de savoir quantitatif, fade et stérile, vous avez réussi, avec votre discours simple et simple, et simple, à piéger beaucoup de monde. Wala hawla, wala quwwata illa billah. Elle continue. Donc, Qutbi, na'am, ana uhibbu Qutbi, na'am. Et je demande à Allah de me donner la vie pour dire aux francophones ce que c'était Sayyid Qutb. Ça mérite des heures et des heures pour vous faire juste sentir, approcher cette personnalité, cette sommité, ce très grand réformateur, na'am, qui s'appelle Sayyid Qutb. Qutbi, non, je suis Qutbi. Pas besoin de regarder dans mes yeux. Pas besoin, hein, j'enlève mes lunettes, regarde bien. Pas besoin, je ferme mes yeux. Sans même d'aller jusqu'à mes yeux. Je suis, non, j'aime Sayyid Qutb. Et je me rapproche d'Allah par l'amour de Sayyid Qutb. Allah nous dira, toi et moi, Inch'Allah. Tu verras, Inch'Allah. Et j'aime beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de chouyour, beaucoup de réformateurs, beaucoup de personnalités, alhamdoulilah. Je les aime à l'infini. D'accord? Toi, aime ton cher céleste et déteste tous ceux que ton cher céleste a qualifiés d'égarés, d'innovateurs, des gens de la passion, de ce que tu veux. Suis-le, tu verras, Inch'Allah. Les nombreuses personnes, mais attention, ton cher céleste lui-même qui s'est brûlé par ce qu'il a fait, commence à vous dire,
Ah non, arrêtez d'insulter les gens. Ah, ton cher Céleste, tu n'as pas suivi un peu les dernières trouvailles, ton cher Céleste. Va voir, il vous met en garde contre ce que vous faites, et c'est lui-même qui vous a donné ça. D'accord? C'est lui-même qui a pendu cette manière de faire. Maintenant, il met en garde cette manière. Il met en garde contre cette manière de faire. Parce qu'il voit que ça a brûlé le monde. Wala hawla wala quwwata illa billah. Revient. Donc, haineux, naam, yakadib. Donc, il se donne mieux. Il vaut mieux dire yakadab. Kadab, sirat mubalaba. Une formule d'exagération. Kadib, c'est un constat. Kadibon, ismu fa'il. C'est un constat. Menteur. Kadab, ça peut me qualifier, madame, selon toi, l'évangile selon la petite madraliste. Kadab, c'est un menteur à l'infini, renouvelable dans le mensonge. Il ne fait que ça, n'est-ce pas? Très bien. Reviens sur la vraie route, frère. Ta route à toi? Ah non, non, je ne la veux pas. Si ta route mène au paradis, moi je ne veux pas le paradis. Kavar Abu Umama, n'est-ce pas? Il est devenu mécréant, Abu Umama, parce que je sais ce que j'ai dit. Je sais que ta route à toi ne mène qu'à l'enfer. Et l'enfer, on le vit aujourd'hui à cause de vous, les matralistes. Vous êtes les pires sectes ou la pire secte des temps modernes. Vous êtes le danger. Les khawarij, n'est-ce pas? Ce sont, moi je le dis, d'accord? Plus j'avance dans le temps, je le dis. C'est rien. Pour rapidement comprendre un peu les khawarij. Et on peut rapidement mettre en garde contre eux parce qu'ils sont tellement fous. Ils dépassent l'entendement, c'est tout ça. Mais vous, danger. Ça vient avec le discours de savoir. Inch'Allah. Qala wa qala. Et derrière, l'idée, c'est quoi? C'est dire à l'humanité, toute personne qui s'intéresse à l'islam, méfiez-vous de lui. Et soyez comme nous, avec nous. D'accord? Très bien. Ok. Reviens sur la vraie route, frère. Car pour le moment, ce que tu dis est bon pour les porcs de l'enfer. Très bien. Donc, tous ceux qui ont tiré un khair de mes rappels, alhamdoulilah, elles vous qualifient de porcs de l'enfer. Alors que même ceux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a qualifiés de chiens de l'enfer, d'accord, si tu te prétends salafiyya, d'accord, les grands sahabi, les grands ulama et fuqaha de hadha, de l'ilm et de sahaba, sont partis échanger avec eux, débattre avec eux. Et il va voir ce que Ali ibn Abi Talib dit d'eux, et qu'est-ce qu'il a échangé avec eux, et qu'est-ce que Omar ibn Abd al-Aziz aussi disait de cette époque-là, de l'Khawarij, d'accord? Et ce que d'autres ont dit de l'Khawarij. Même si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les chiens de l'enfer, rien n'interdisait d'échanger avec eux dans le respect, la joie et la bonne humeur. Madame, donc toi, tu m'appelles finalement le chef des porcs de l'enfer, n'est-ce pas? Et tu appelles ceux qui écoutent la da'wah que je fais, d'accord, des portes de l'enfer. On se rencontrera, inshallah, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne m'adresse pas qu'à cette petite cinglée matraliste, je m'adresse à tous ceux qui se prennent pour des matralistes. Et venez me voir, à chaque fois que vous entendez que je viens passer du temps dans une mosquée, venez me voir, et je vous clouerai vos becs. D'accord? Mais derrière un identifiant, c'est simple. Le cinglé derrière un identifiant, il se prend pour un savant, le pauvre. Très bien. Nous prions jour et nuit pour que ton dos soit fragmenté en 7 si tu ne te repens pas. Inch'Allah. Elle nous dit à la fin, paix sur toi. Ben, depuis le temps que j'entends qu'Allah te brise le dos, ah ben le voilà, le mon dos, Inch'Allah. Il faut que je te le montre, non? Regarde. Il n'a pas été brisé ni en un morceau, ni en deux, ni en trois, ni en 10. Ben, il y a au moins parmi vous un wali qui a senti l'injustice et qui a fait da'wat al-madloum, l'invocation de celui qui a subi l'injustice, pour que Allah me brise le dos. Normalement, le wali, s'il y a un wali parmi vous, il est mustajab da'wa. Ce qui est extraordinaire, c'est que la totalité des sectes que j'ai montré un peu à la umma, na'am, à qui j'ai bousillé le moral, ont fait des do'as contre moi. Mais subhanallah, ben jusqu'à maintenant, le dos n'a pas été brisé. D'accord? Les Tijani m'ont attaqué, les Ahbash m'ont attaqué, les extrémistes soufis ont fait des invocations contre moi, les chiites ont fait même des émissions sur moi. Naam. Et toutes les sectes que j'ai montrées à la Ummah, les khawarij, les shayatines, les coranistes, hein,
Tout cela font des doigts. Et toi, en plus, tu fais jour et nuit. Qu'Allah brise mon dos cette fois. Masha'Allah. Ben, il est encore là, mon dos. Ajib, hein? Qu'Allah te bénisse, madame. Paix sur toi. Non, non, madame, tu mens. C'est pas la paix, ça. Ce n'est pas la paix. Quelqu'un de moins ignorant que toi, et tu peux dire qu'il est beaucoup plus savant que toi, non, de beaucoup plus âgé que toi, sûrement, de beaucoup plus expérimenté que toi dans la vie, madame, et qui produit des choses et qui fait avancer le chemin biblique, par le témoignage, alhamdoulilah, d'une infinité de personnes, et tu lui dis, chien de l'enfer, kadib, qutbi, balala, qutbi c'est l'insulte, c'est pas qutbi, quelqu'un qui aime un musulman qui s'est déployé pour l'islam et les musulmans. Non, non, c'est pas ça. Qutbi c'est une insulte grave pour vous. Qutbi, Irwani, Hizbi, non. Donc vous les madras, donc à chaque fois qu'un madraliste vient marquer le territoire, je rappellerai, Inch'Allah, ce que c'est que les madralistes. La secte la plus pourrie, le Hizb, et qui sont contre les Ahzab, ils sont le pire Hizb que Shaitan a, je vous dis Shaitan lui-même à chaque fois, je le rappelle, Shaitan lui-même n'a pas pu imaginer ça. Ça, c'est brillant. Le Mossad n'a pas pu imaginer ça. Les plus grands services de renseignement du monde n'ont pas pu imaginer les matralistes. Et là, ils sont heureux. Même les plus grands services de renseignement, va vérifier, sont heureux de la présence des matralistes. À chaque fois que les matralistes sont présents dans un monde, dans un endroit, ils vont tout détruire sur leur passage. Et ils vont éloigner la jeunesse des musulmans. Et ils vont semer la haine et la division entre les musulmans. Donc ça, tout ça, madame, d'accord, sera sur le dos de ton cher céleste et de tous ceux qui lui ressemblent et de tous ceux qui ne veulent pas se remettre en cause. Donc les savants de la Ummah, alhamdoulilah, partout dans le monde, il y a en eux un khair énorme. Les prédicateurs partout dans le monde, ils ont apporté un khair énorme. Les réformateurs partout dans le monde et tout au long de notre histoire, ils ont apporté un khair énorme. Les immobiles, les obtus, hein, les bornés, les stériles, les fades comme toi, n'ont apporté que malheur sur malheur, puanteur sur puanteur, divisionnisme sur divisionnisme. Paix à toi. Si un jour tu te sens capable de me répéter avec raisonnement ce que tu viens de me dire, donne-moi ton numéro de téléphone et je t'appellerai avec bonheur. Et là, j'aimerais bien voir la bravoure et le courage et la puissance intellectuelle que tu prétends avoir, n'est-ce pas ? Toi et ton cheikh céleste. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rendez-vous chez Allah, miss. Et tu sais que plus frustré que toi tu meurs, plus ignorante que toi tu meurs, plus malheureuse que toi tu meurs, plus répugnante que toi tu meurs, plus instable que toi tu meurs, entre toi et moi, parce que j'ai connu les femmes matralistes. Et je connais les hommes matralistes, et j'entends parler d'eux, et je sais ce qui se passe dans leur famille. Donc va dormir, madame la dépressive, d'accord ? Et va te venger d'autres, autres que moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois. Oui, donc je l'ai titillé, il n'était pas content. Et voilà, vous voyez, quand on l'attaque, il n'est pas content. C'est pas ça. On applaudit. Allez, dégage !